Voilà Jean-Marc, pour ta prochaine vidéo chasse à l'arc et bushcraft, je te donne quelques couteaux que je fabrique moi, une paire de chasse. L'un des deux couteaux que je te propose, bon, il est tué en cuir, couture de sellier, voilà, plus solide, en 3 mm. Manche aussi solide, totalement imputrescible en cerf, en bois de cerf. Et lame carbone XC75, voilà. Totalement affûtable. La forme sert à la fois pour chasser, pour dépecer, et si on veut couper du bois ou quoi que ce soit, tout est possible. Là, je te propose aussi ça pour le soir, pour manger, pour couper le chevreuil, de pliant. J'ai deux formes, une forme un peu plus fine, une forme style berger. Voilà. Toujours acier carbone, couteau de clou, manche bélier. Et je compte sur toi pour que tu testes en situation de chasse ce matériel. Voilà. Thank you.
chaud. La Spy Point est positionnée face à cette petite butte où normalement on trouve des coulées d'animaux et puis un espèce de petit gagnage. Donc j'ai espoir d'avoir ou du chevreuil, éventuellement du renard, voire du blaireau. Bon. Alors je vais la mettre en marche. Position on. Et Spy Point. Démarrage de la caméra, ok. Le choix, photo, timelapse ou vidéo. Je mets vidéo, comme ça j'ai les deux, j'ai et photo et vidéo. Et j'appuie sur OK. À partir de là, il y a un décompte qui se fait en secondes. J'ai une minute pour refermer la caméra et m'éloigner. Voilà. Voilà. Donc je la referme et je m'en vais. Thank you.
Tanto la olvido, deja nuevo amor, tanto mejor, ahí con el mío. Dejar y la vive es un mundo de tristeza. Dejar y la vive. A mi manera.
no me entraba. Por eso ya tanto lo olvido de paz. Un nuevo amor, tanto mejor. Ay, notre séjour de chasse, nos 4 jours de chasse en plein air, en autonomie, se termine. Je pense qu'on a passé un bon séjour, à part cette dernière journée où il a plu. Voilà. Et le premier soir. Et le premier soir. Mais pour moi, ce qui a été le plus dur, c'était de manger de la salade, enfin des herbes, pendant 4 jours. Et pas de viande, parce qu'on n'avait que ça. Il fallait s'y attendre un peu, alors que c'est pas possible. On loupe la cuisson du pain. Ah ouais, donc c'est un petit peu, c'était pas terrible. Je pense que la gamelle y est pour quelque chose. L'aluminium ? Oh ouais. Ouais, on aurait peut-être dû faire un four carrément avec des pierres et de la glaise. Ouais. Surtout que le terrain est assez glaiseux. Ça s'y prête assez. C'est ça qu'il y a autant de bassines d'eau. Heureusement, on a un peu la chance avec nous, puisque je tire un chevreuil en début de quatrième jour. Ça, c'est là, on était particulièrement contents de. Ça, c'est vraiment du beau. Content d'avoir un peu de viande à manger. Quoi. Ça, c'est fabuleux. Même si le feu a été difficile à faire sous la pluie. On a mangé du filet et on s'est bien réveillé. Le remerciement à tout le monde, là, ça a été extraordinaire. À le repas qu'on a fait avec tous les gens du territoire, là, tous les chasseurs, les amis. Ah ouais, ça, c'était un grand moment. On a eu la chance d'avoir un guitariste avec nous, qui lui était là pour chasser à l'approche, mais à la carabine, pas à l'arc. Donc ça, c'était un grand moment. Maintenant, je te propose une chose. Je t'ai préparé une petite surprise pour fêter le chevreuil. Allez. On y va ? Allez, c'est parti. Ah, ben je l'aperçois ta surprise, super. Oh, ben. Impeccable. Eh ben écoute, on va nous faire. Installe-toi, on va déboucher cette bonne bouteille pour un moment de détente. Fêter mon chevreuil, mon deuxième chevreuil à tuer à l'arc d'ailleurs. Le premier, c'était pas sur ce territoire, mais c'était en Lozère. Il y a une douzaine d'années. Ouais. Ouais, 12, peut-être 15 ans. Voilà, et puis ce joli brocart qui vient d'être tiré. Donc on va le fêter, et dignement. On va utiliser le tire-bouchon de notre ami Coutelier pour ouvrir cette bouteille de Clos la Neuve 1482. 1482, c'est la perte de l'indépendance de la Provence. Voilà, et voilà, c'est un blanc qui est absolument excellent. Il est peut-être un petit peu tôt pour le boire. Mais il faut absolument fêter ce chevreuil. Fêtons. Hop, tire-bouchon avec en corne de chèvre. De Provence. De chèvre de Provence, bien sûr, puisque Clos la Neuve, c'est dans la vallée de l'Arc. Et la vallée de l'Arc, c'est en face de la Sainte-Victoire. Ouais, très près d'Aix-en-Provence. Merci. Voilà. Donc à ce chevreuil. Chine et à une prochaine expérience. Ouais. Bon, tu sais, c'est pas la première fois qu'on vient à Casemont-Denard. À mon avis, c'est pas la dernière fois, puisque ça fait 17 ans qu'on vient. Des chevreuils, on a dû en voir des centaines. C'est le premier qu'on fait à l'arc. C'est le premier qu'on fait à l'arc. Habituellement, on les réalise à la carabine, tu sais comme moi. Et je pense que l'année prochaine, je reviendrai avec l'arc. Ah ben bien sûr. Allez, santé. Surtout à Haute-Rute. Très bon. C'est excellent. Hein.
autour de la claire fontaine. Elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour l'avertir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. La belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Avec des pétales de rose, un beau de corsage lui fit. Mais la belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je la pris avec tant de fièvre qu'elle en fut toute déshabillée. Je dus plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent elle s'alla baigner toute nue en priant Dieu qu'il fût.